Salutations les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le samedi gaming sur DuckTales Remastered, petit jeu qui est sur le point, malheureusement, peut-être pour certains, sur le point de disparaître de la plateforme Steam. Alors en ce moment, il est en promotion à moins 75% pour fêter son départ, donc il est à 3,49€. Alors à savoir que le jeu est sorti en 1989 sur NES, sur Nintendo NES. J'avais 7 ans à l'époque, et l'année suivante, en 90, il est sorti sur Game Boy. Donc je me souviens même pas avoir eu... je sais que sur NES, j'ai pas joué. Alors après, sur Game Boy, je saurais pas vous dire. Donc c'est une version remasterisée par WayForward. J'espère que j'ai pas écorché leur nom. Donc si vous voulez en profiter, ben c'est maintenant. Donc moi, je l'ai pris, ça fera un petit jeu pour ma vie, ça lui fera plaisir. En plus de ça, ça me permettra de tester des manettes que j'ai reçues il n'y a pas longtemps pour jouer avec elles sur Overcooked. Donc on va pas perdre plus de temps et on va se lancer. Donc on va créer une nouvelle partie. J'espère que le son est pas trop fort, j'ai baissé au maximum. Donc voilà, on peut... mettre le jeu en français et compagnie. La prise en charge de la manette est complète. D'ailleurs, je vais voir les touches. Donc, haut, gauche, bas. Donc, A pour sauter et X pour faire les attaques. Ok. Donc, je vais faire un petit retour. Ah, puis, on va se lancer tout de suite. Hein. Je crois qu'il y a 5 niveaux, dont certains on commence en facile. Donc certains bonus, certains niveaux bonus. Donc on va voir ce que ça donne. Gros vibration dans la manette en plus de ça. Curse me, Hilt. My money bin alarm. Quick, Duckworth. Mon dieu, qu'il t'affronte. C'est l'alarme de mon coffre-fort. Je vais tout de suite la chercher, monsieur. Hurry, Duckworth. Hurry. Faites vite, Arsène. Au cours, je vole, bondis, monsieur Picsou. C'était plutôt joli. Alors, à base, c'était un jeu pixelisé. Hein. J'aurais pu le mettre aussi dans la section pixel. Opérato, sévice à nouveau. Mettre la main sur la fortune. Ok, j'ai pas trop eu le temps de lire. Ça défile un peu vite. Donc, sauter, attaquer. Alors, attaquer, ça marche pas. Je peux peut-être pas attaquer pour le moment, on verra bien. Donc, petit jeu de plateforme, hop, on va récupérer tous les diamants, hein, parce qu'on est Picsou quand même. Parce que là, c'est que je l'ai fait apparaître une fois que je passe. Peut-être que j'en fais apparaître en hauteur aussi. Oncle Picsou, par ici. Argent, si je peux effectuer des doubles sauts. Oui, est-ce que ça va, mon... Oui, mais tu devrais te méfier, les raptus sont en train de s'en prendre à ton système d'alarme. Ah oui, on va surtout s'en prendre à tes pièces d'or. Ah, ma fortune. Hey, attends, ne me laisse pas là, oncle Picsou. Il y a un bouton de sécurité quelque part, par là. Ok, pendant un saut, maintenez X enfoncé pour effectuer un saut pogo. Ok. Après, on peut enchaîner en restant appuyé. Ok, donc ça c'est fait. Oh, ce coup m'a fait mal à l'estomac. Je t'ai frappé sur la tête, espèce de maraudeur micro, je sais pas quoi. Mais dis-moi, Riri, qu'est-ce que. Eh bien, nous les avons un peu. Ok. Enfin, je vous laisserai mettre pause là, parce que ça va trop vite. Mais oui, Drew et Fifi, ils sont là aussi. À mon avis. Ils sont en danger. Alors a priori, ce que j'ai pu voir, ils nous filent quelques petites infos pendant les stages. Alors, je trouve tout. Doug Jones, Zaza et Mystic. Voilà, ça c'est fait, pas trop dur. Alors franchement, il est plutôt joli. Hein. J'ai tout mis à fond. Voilà, on s'accroche. Je suis déjà à 30 000 $. Ok, je suppose que ça. Ça se récupère, bon, il n'a pas l'air de... On peut pas sauter sur les murs.
Ah ok, mec. Ah, faut que je fasse un saut avec X pour sauter plus haut. Pareil de ce côté, alors là a priori il n'y a plus rien. On va continuer à monter. Là je vais d'abord aller là-haut. Ah ok. Ouais, fallait sauter sur... Ah par contre zut ouais. Ok, donc les diamants dépop au bout d'un moment. Ouais, ils sont plutôt bien, bien repérés. Je vous laisse aller voir. Il y a quelques vidéos sur la page Steam qu'on voit les développeurs parler du jeu et montrer un peu le travail qu'ils ont fait dessus. Marchez jusqu'à un objet et maintenez appuyé vers l'avant. Appuyez sur X pour effectuer un swing de canne. X ou B pour effectuer un swing. Ah ok. On va se mettre dehors. Alors, je fais bien de sauter un peu partout là. À la limite, il faudrait se déplacer que comme ça. Je sais pas s'il y a des boss. Libère-moi, grosse goutte à bras. Même pas un petit bout de goûter pour le cafard. Hein. Ne t'approche pas. Désolé, Pitsu. Aucune chance. Ouais, pas mal. Tu m'as sauvé en fait, Pitsu. Oui, c'est vrai. Oui, ça va. Mais j'ai vu le loup qui montait à l'étage. Il était poursuivi par un millier de raptos. Reste ici, je vais m'en charger. Alors, à savoir qu'on peut aussi rencontrer une dame. Alors, je sais plus son nom. Utiliser le swing de canne pour envoyer voler les... Rocheron, marcher jusqu'à un objet et maintenez appuyé vers l'avant, puis X ou B pour effectuer un swing de canne. Alors X ou B, ok. Voilà. Ah, ils sont sérieux, j'ai loupé le diamant, non. Concentre pour pas me taper un rouleau là, un petit diamant caché là. Ok, alors, ça rend de la vie, j'en ai pas forcément besoin pour le moment, mais. Ok, alors, quand je tape dans le vide, elle est sympa l'animation. Donc on va continuer à monter. Si je me lâche à cette hauteur, ah, on a bien fait. Je vais faire pareil de l'autre côté. Là, je vais même essayer de sauter de plus haut. Ok, il n'y a rien. Donc on va remonter. Alors faisons les choses intelligemment. Alors déjà en haut. Ok, il n'y avait pas de passage sur la gauche. Alors là il n'y a rien.
Là, on va éviter de se planter. Faut d'abord faire ça. Voilà. Ah, j'ai une super vitesse, ok. Là, elle a pas duré longtemps. Hein. Même en étant à l'étage d'en dessous, j'ai quand même pu. Alors, par contre, j'aurais bien voulu voir s'il y avait autre chose plus loin. Ah non! Alors, je vais me dépêcher pendant que je clignote pour passer. Hein. Hurry, Uncle Scrooge! They're headed for your office! Hold on, lad! Allez quand même mon grand, je vais te libérer en moins de deux, pas si vite, Pixou, maintenant c'est nous qui faisons la loi. Ok. Dans un kit à frange, un faux mouvement et ok. Abandonne-moi, oncle Pixou, c'est trop ridicule mon garçon, ok. Ah ouais, ok, ça active le bouton d'en haut. Par contre, je suis mid-life là. Ok, donc c'est cool, on a réussi. On a libéré les trois, tout le monde est content. Ok, donc ça c'est fait. Je vais quand même jeter vite fait là s'il n'y a pas un petit diamant qui pop là. Est-ce que je peux monter sur la caisse? Non. Ah, c'est ça qu'on veut. Peut-être qu'on pouvait se faire aspirer par un des trous au plafond. Ah, j'ai eu un peu peur là, mais ça l'a fait. Oui, c'est... Ah, c'est cool, j'ai récupéré toute maillée avec le gros gâteau. On a peut-être le droit au premier boss là. Ne t'approche pas de ma fortune, petit voleur. On dirait qu'il a un accent italien, Pixou, quand il parle. Tu ne t'en tireras pas aussi facilement, Pixou. Ok, premier boss. Ah, cool. Merci à lui. Non, c'était pas trop compliqué. Ah non, ok, d'accord. Ah, faut que j'évite les objets. Et je lui envoie sur la tête. Ok, et après, je peux lui faire un saut... Ah non, le truc il est arrêté. Je vais éviter les objets. Ah ok, c'est mal parti. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, j'ai perdu. Ok, ok, donc une fois qu'il s'est reçu le... Alors, lui, alors, je peux pas effectuer plusieurs sauts. Ok, je peux aussi me baisser. Malheureusement, j'ai pris un coup. Voilà. Ah, c'est abusé de toutes les. Oh, mais non! C'est dommage qu'on n'a pas sa jauge de... Ah, j'aurais pas dû sauter. On n'a pas sa jauge de vie, et pendant que je clignote, je peux pas... On a eu un petit succès, on a réussi à se le faire. Ah, moi je dis bon débarras, c'est un affreux, ok. Bon, mais je crois qu'un vieux tableau pouvait-il bien les intéresser. Il y a d'autres objets de valeur... Well, pluck me pin feathers. It looks like some kind of secret code. On dirait une sorte de code secret. Les garçons, les garçons. Qu'est-ce que tu as trouvé, oncle Pixou? Oui, qu'est-ce que c'est? I'm not sure, but I know how to find it out.
Je sais comment faire la lumière. Je vais entrer ces données dans mon super ordinateur et utiliser le nouveau programme de déchiffrage de Je retrouve tout. Et là, nous saurons ce qu'il cherche. Ok. C'est un sacré ordi. Brigadoon! Ça fait stylé. Dommage que les voix ne soient pas aussi traduites, mais bon. C'est un trésor, les enfants. Et vu la taille des choses, il n'y a qu'on peut Picsou pour parler de trésors ordinaires. Regarde, un de ces trésors se trouve au beau milieu de l'Amazon. Et un autre se trouve en Transylvanie. Et l'un d'entre eux est enfoui à 150 mètres sous terre. Et attends une minute, c'est très bizarre. Le dernier trésor ne peut pas être là. Oui, il n'existe pas de montagne aussi haute sur Terre. Eh bien, selon le manuel des Castors Juniors, pour y arriver, nous devrons gravir 537 millions de marches jusqu'à atteindre la Lune. Ok. Tu parles de la vraie Lune ? Oh, il y a un niveau qui se passe sur la Lune en plus. On dirait bien que les enfants... Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Je ne sais pas. Ah ouais, je peux choisir où aller. Bon, bah écoutez, voilà. Hein, première partie, on l'a fait. Puis bah écoutez, on sera peut-être une autre partie tantôt pour découvrir un niveau. Dites-moi celui que vous voulez qu'on teste en premier si ça vous intéresse. Sur ce, je vous laisse. Le jeu est à 3,49€. Je crois qu'ils ont prolongé. Normalement, ça devait s'arrêter vendredi à 19h ou 16h30. Et là, il est encore disponible. Alors, vous verrez la vidéo. Il sera disponible plus que quelques heures. Donc voilà. Au pire, j'essaierai de mettre cet épisode le matin et inverser le programme de la journée. Histoire que vous puissiez en profiter si ça vous intéresse. Sur ce, n'oubliez pas le petit pouce bleu et le petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Allez, ciao ciao tout le monde.